Motif d'un prétendu recrutement au sein du parti, la direction de l'UDP se réserve le droit de poursuivre en justice ses ennemis de la République. Nous parlerons également des installations des bureaux provisoires dans les provinces de l'Équateur, du Kasaï central et du Lualaba. À Mbandaka, par exemple, dans la province de l'Équateur, José Ndundo Bolongué, doyen d'âge, dirigera cette assemblée suivie de deux benjamins. En sport, les supporters du Daring Club Motema Pembe exigent la révocation immédiate d'Amos Mbayo, président de la grande commission des supporters et de Jérôme Tangou, trésorier général du club. Ils l'ont fait savoir ce mercredi à Hassan Abdallah, président de coordination. Bienvenue aux 19h sur votre chaîne. La Commission électorale nationale indépendante invite à protéger le matériel recyclable utilisé le long du processus électoral en cours. C'est la demande exprimée ce mercredi par le président de la République, Félix Tshisekedi, au cours d'une séance de travail qu'il a eue avec la plénière de la CENI, conduite par Corneille Nanga. Arrivée fin mandat en juin 2019, la Commission électorale nationale indépendante s'apprête à présenter son rapport général sur les trois scrutins du 30 décembre 2018 à l'Assemblée nationale. Je l'annonçais au sommaire de cette édition, une bande d'escrocs opérant au nom de l'UDPS rançonne des paisibles citoyens au motif d'un prétendu recrutement au sein du parti. La direction de l'Union pour la démocratie et le progrès social se réserve le droit de poursuivre en justice ses ennemis de la République. Le gardien du temple de la démocratie de l'UDPS, Fils Moukoko, fustige ce comportement. Je vous propose de l'écouter. Je suis venu avertir l'opinion nationale congolaise qu'il y a des mafieux qui marchent avec le nom de mon parti en vue de recruter. Ils disent à la population qu'ils ont du boulot, que l'UDP s'engage, que les gens donnent des CV et moyennant des sommes d'argent. Nous signalons à l'opinion que l'UDPS ne recrute pas. Nous, nous avons lutté pour que nous installons un pouvoir ordonné. Tout se fera en harmonie entre le directeur du cabinet, Vital Kamerhe, et le président à l'intérim du parti. Mon parti ne recrute pas. Tout se fera après que le gouvernement sera mis en place et on fera l'état des lieux de la situation de l'État, que le gouvernement lancera l'appel d'offres d'emploi. Donc, qu'on ne vienne pas vous tromper, l'UDPS ne recrute pas. Il faut dénoncer, nous sommes là pour installer un état de droit. Il faut dénoncer auprès de la police, auprès des instances judiciaires. Nous informons aussi au niveau de notre siège de tous ces mafieux-là. On verra ce qu'on va faire avec la justice. Dans l'actualité également, troisième journée de grève pour Transco ce mercredi, malgré les mesures urgentes prises par le président de la République, Félix Tshisekedi, le syndicat de cette entreprise publique, qui n'accuse plus un seul arriéré de salaire, veut désormais faire tomber le directeur général Michel Kirumba, qui se dit victime d'un complot. Récit de Christopher Ochokoumou. Voilà déjà trois jours que les bus Transco sont immobilisés au détriment de la population. À la base de cette malheureuse situation, une grogne sociale au sein de cette entreprise publique. Le président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, très préoccupé par ce problème qui ne gêne pas qu'un peu. Le quotidien de Quinoa a instruit personnellement la chaîne des dépenses publiques pour que soient libérés en procédure d'urgence les arriérés ainsi que tous les avantages revendiqués. Mais à la surprise générale, la crise demeure. Nous avons vidé presque toutes les petites revendications dans les cahiers des charges. Ils n'ont qu'à reprendre le travail. S'il y a d'autres problèmes qui sont au-delà
de cahier de charges. Ça, c'est l'État qui va s'en occuper. Et l'État, le VPM est arrivé là-bas, qui lui dise en dehors des cahiers de charges, qu'est-ce qu'ils veulent encore. Michel Kirumba, ce serait lui le nez du problème. Les agents de Transco sont prêts à tout pour le départ de leur directeur général, qui s'est dit victime d'un complot. Et ce n'est rien d'autre qu'une campagne contre la personne de Kirumba, qui a une discipline, qui a une rigueur, qui a une méthode de travail, et qui ne plaît pas à tout le monde, malheureusement. Et qui pourtant produit des fruits. Non, j'ai la conscience tranquille. La population qui profite des services de Transco peut en témoigner. Transco est disponible, les gens s'alignent, les élèves prennent nos bus ponctuellement. J'ai vraiment la confiance tranquille. C'est mardi encore, Michel Kirumba reçu au cabinet du président de la République rassurer la reprise du travail ce mercredi. Lancé le 30 juin 2013, avec un total de 500 bus et un coût global d'investissement estimé à 27 millions de dollars américains, Transco promettait un bel avenir pour le bien-être de la population. 6 années après, plusieurs lignes sont supprimées dans la ville, seuls quelques 300 bus résistent encore. Le syndicat et parfois la vice-primature de transport dénoncent de temps en temps une gestion opaque de cette entreprise publique. On prend la direction des provinces, d'abord en Mbandaka, province de l'Équateur, installation officielle ce mercredi du bureau provisoire de l'Assemblée provinciale. José Ndundo Bonongue, doyen d'âge, c'est lui qui dirigera désormais cette assemblée, suivi de deux Benjamin. La cérémonie officielle de l'installation des députés provinciaux, issue des élections du 30 décembre dernier, a été présidée par le haut fonctionnaire de l'administration de l'Assemblée provinciale, le chef de division. Akumbelo Gaston, en présence du gouverneur de province Bobo-Bolo Kobolumbu et du ministre d'État en charge de relations avec le Parlement, Lisanga Bonganga. Aujourd'hui, ils doivent d'abord privilégier l'intérêt général, l'intérêt supérieur de la province de l'Équateur. C'est-à-dire, même ils seront butés à deux situations importantes. Il y aura l'élection du gouverneur, il y aura l'élection des sénateurs. Trois temps forts ont marqué la dite cérémonie. D'abord, la lecture du PV par le haut fonctionnaire de l'administration de l'Assemblée provinciale, la remise du marteau de commandement par le président sortant, Okulube Lofanje, au président du bureau provisoire, le député José Ndundo Bonongue, et le discours de ce dernier qui a exhorté ses collègues députés provinciaux à placer la province de l'Équateur au-dessus de leurs intérêts. Au sortir de cette activité, et en prélude des élections des gouverneurs et vice-gouverneurs telles que prévues dans le calendrier de la CENI, les nouveaux élus ne jurent que la reconduction de l'ancien gouverneur Bobo-Bolo Kobolumbu à la tête de la province de l'Équateur pour préserver la paix, l'unité et la quiétude entre filles et fils de l'Équateur. Son mandat vraiment d'une année est largement positif parce que chez moi, Bikoro, il a construit des ponts en béton. Vraiment, c'est quelque chose à féliciter parce que beaucoup de gouverneurs qui ont passé ici n'ont pas même songé là où les gens, nos frères, nos sœurs, mouraient, tombaient des accidents, que si aujourd'hui on peut les reconduire pour faire son mandat de 5 ans, ça sera mieux. Il va faire beaucoup de choses. Rappelons que l'élection des gouverneurs est reprogrammée par la CENI pour ce 26 mars. Et puis ouverture de l'Assemblée provinciale au Kasaï central ce mercredi, c'est le gouverneur de la province qui a ouvert cette session extraordinaire avant de se pencher sur un culte d'action de grâce pour cette phase historique de l'histoire politique de la RDC avec en tête deux dignes fils du pays, Joseph Kabila Kabange et Félix Tshisekedi Tshilombo. Monsieur le gouverneur de la province du Kasaï central. L'Assemblée provinciale a ouvert sa session extraordinaire ce mercredi sous l'égide du directeur administratif de cet organe délibérant, en vue de remettre la direction provisoire des débats aux doyens d'âge, les députés. Kabatou Suila, 77 ans revenu. Accueilli par le directeur administratif, Denis Kambay Chimbumbu, accompagné son vice-gouverneur Manix Kabwanga, ainsi que quelques membres du gouvernement et autres personnalités souvent associées à ce genre de manifestation. Le gouverneur du Kasaï central a pris la direction de son cabinet de travail pour suivre la marche de la province.
Il recevra tour à tour le vice-gouverneur Manix Kawanga, le ministre de l'Intérieur Mathieu Ntolo et ainsi que d'autres collaborateurs de son cabinet. Denis Kambay Chimbobo s'est aussi penché sur l'organisation d'un culte d'action de grâce pour vendredi prochain en l'honneur de Joseph Kabila et Félix Tshisekedi Tshilombo, deux présidents de la République démocratique du Congo, l'un sortant et l'autre entrant, descendant de Ilunga Mbidi, qui ont marqué l'histoire politique à l'occasion de la passation civilisée et démocratique du pouvoir, un modèle pour l'Afrique. Et en sa qualité de gouverneur de cette province et président national de la Fondation Grand Kassai, Denis Kambay Chimbumbu n'a pas voulu déroger à la règle, est celle de rendre les titres de noblesse à ceux deux dignes fils du pays. Et puis c'est en présence du représentant du gouverneur Richard Mouyege Manguezman, son mission, que le bureau provisoire de l'Assemblée provinciale du Lualaba a été installé par le directeur administratif de cette institution ce mercredi, dans son siège localisé au cercle Manika de Kolwezi, une assemblée provinciale qui va compter 22 députés, dont deux seront coptés. 17 députés provinciaux sur le 20 qui compte l'Assemblée provinciale du Lualaba était présent à la cérémonie inaugurale de la session extraordinaire de la législature issue des scrutins du 30 décembre 2018. Un seul point était à l'ordre du jour ce mercredi 30 janvier à cette plénière ouverte au public, l'installation du bureau provisoire de la première institution de la province. Et vu l'enjeu du moment, la population lualabaise en a profité pour émettre le credo de revoir Richard Mouyege Manguezman à la gestion de la province. Une façon pour elle de rappeler aux élus provinciaux leur mission régalienne. Je souhaite que Richard Mouyege Manguezman revienne à la tête de la province, tout simplement parce que sa gestion était sans reproche. Moi, personnellement, ce qui me concerne, c'est un bon. Il faudrait qu'il continue. Non, que l'ancien là revienne. Il a la volonté, il est en train d'apporter un plus dans notre province. J'aimerais qu'il soit reconduit, ça c'est mon point de vue. En tout cas, le souverain primaire s'est exprimé. Rendez-vous donc le 26 mars prochain. Et puis une année nouvelle, une première conférence de presse de l'entreprise Kibali Goldmine pour des nouvelles perspectives. L'équipe dirigeante de Kibali est revenue sur les préoccupations majeures des miniers à l'égard de la loi régissant le secteur. Kibali Goldmine reste confiant quant à l'avenir après l'alternance politique au pays. Depuis le changement en mars 2018 de la loi régissant le secteur minier et les aspects liés au régime fiscal et la clause de stabilité, autrefois de 10 ans, ramenée à 5 ans, les préoccupations demeurent. Dans sa configuration renforcée avec Barrick Gold, Kibal Goldmine reste plus que confiant et explicite sa vision d'un partenariat à long terme, de la nécessité de maintenir une discussion permanente. Nous devons nous asseoir, la société civile, le gouvernement, les opérateurs miniers, et nous dire, voilà une année de notre code, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Est-ce que les caisses sont renflouées? Avons-nous de nouveaux investisseurs? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Qu'est-ce que ça a apporté de nouveau? Donc c'est toutes ces questions que nous devons nous poser. Je n'ai pas de réponse. Lorsque nous répondrons ensemble, je crois que les acteurs vont décider quelle est la ligne à suivre. Kibal Goldmine, qui fait compagnie désormais avec Barrick, n'entend pas dicter une certaine logique, mais estime que les choses sont possibles, chemin faisant. L'alternance politique a eu lieu dans la paix et dans la tranquillité en République démocratique du Congo. L'avenir est donc prometteur pour la coopération avec les gouvernements. Il s'y est de rappeler que le staff dirigeant de Kibal Goldmine avait toujours plaidé pour le maintien du code minier de juillet 2002, mais seulement qu'il fallait travailler pour son application intégrale auprès des opérateurs miniers. Tout ce que nous avons dit, c'est qu'il est perfectible. Il est perfectible. Ce que nous avons aujourd'hui est loin d'être, de rencontrer les attentes des uns et des autres. Nous ne nous sommes jamais cachés de le dire. Nous n'avions pas voulu engager un bras de fer, nous n'allons pas en engager maintenant avec les autorités. Nous avions accepté, mais ça fera bientôt une année que nous avons ce nouveau code. Nous pensons que l'heure est aujourd'hui à l'évaluation.
On change de cap. La communauté congolaise vivant en Namibie salue l'élection de Félix Tshisekedi à la magistrature suprême. Dans son message adressé aux garants de la nation, elle réaffirme sa disponibilité de travailler avec le chef de l'État élu pour le maintien de la cohésion nationale. La communauté congolaise vivant en Namibie rend également hommage au président sortant Joseph Kabila, pionnier de la démocratie. Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, recevez à cet effet mes félicitations les plus chaleureuses et à travers moi, celles de la communauté congolaise en Namibie tout entière. Votre victoire brillante récompense un engagement inlassable au service du peuple congolais. Elle couronne également la première passation pacifique et civilisée de pouvoir depuis l'avènement de notre pays à l'indépendance. Passation dont le souffle et l'élévation viennent de prouver au monde entier la maturité politique grandissante du peuple congolais. Alors que certains dans le monde souhaitaient le chaos et la désolation dans notre pays, nous, peuple congolais, fiers de notre souveraineté nationale et inspiré par le leadership du président Joseph Kabila Kabange, venons de réaffirmer avec patriotisme notre foi dans le progrès et dans l'avenir glorieux de notre pays. Dorénavant, le message du peuple congolais à ces sujets résonne bien au-delà de nos frontières. Excellence, Monsieur le Président de la République, le pragmatisme politique qui vous caractérise et votre détermination à vouloir travailler avec toutes les filles et tous les fils de notre grand pays seront de nature à conférer à notre nation les conditions d'une cohésion nationale hautement propice à la sauvegarde de la paix. Et comme l'ensemble du peuple congolais, la famille élargie de la première dame Denise Nyakeru, vivant à Kinshasa, félicite également le nouveau président Félix Tshisekedi Tshilombo pour sa brillante élection. Elle joint sa voix à celle des millions des Congolais et des Bagwechés pour lui souhaiter un fructueux mandat à la tête de la République démocratique du Congo. Nous, la famille élargie Nyakeru vivant à Kinshasa, avons appris avec grande joie et satisfaction votre brillante élection à la magistrature suprême de la République démocratique du Congo, notre cher et beau pays, devenant ainsi le cinquième chef d'État depuis l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale. Votre avènement à la destinée de notre pays augure une nouvelle ère pour l'ascension de notre pays à la croissance économique et sociale, pour le bien-être de l'ensemble de notre peuple. Tels les enfants d'Israël après la traversée du désert, nous croyons que vous êtes le Josué, élu de Dieu, pour parachever l'œuvre de Moïse afin d'amener le peuple congolais tout entier vers la terre promise. C'est pourquoi la famille élargie Nyakeru vivant à Kinshasa joint sa voix ainsi que ses prières à celles des millions de Congolais en général et des Bagwechés en particulier, pour vous souhaiter un heureux et fructueux mandat à la tête de la République démocratique du Congo, sous l'accompagnement sans faille de Madame Denise Nyakeru Munyerenkana Tshilombo, votre chère épouse et première dame de la République démocratique du Congo. Qu'elle trouve à travers ces mots notre profond attachement fraternel et surtout notre soutien à vos actions salvatrices pour la nation congolaise. Que sa présence à vos côtés en sa qualité de première dame et surtout de mère de la nation congolaise tout entière vous sert d'inspiration pour un apport fructueux dans vos lourdes charges. Puisse l'Éternel Dieu vous bénir et vous combler de sa sagesse.
Et puis les jeunes notables et acteurs de la société civile vivant au Kasaï central saluent la prise de fonction du nouveau président Félix Tshisekedi. Profitant de cet événement, ils ont à travers une déclaration formulé plusieurs recommandations prioritaires au profit du développement de leur province. Déclaration lue par le secrétaire général Alain Loukoussa aux côtés du président de la société civile du peuple du Kasaï central, Emmanuel Isa Kabukabu. Nous saluons votre prise de fonction en qualité de chef de l'État et vous témoignons notre soutien indéfectible durant ce mandat que nous voulons fructueux. Excellences, aujourd'hui président de toute la République démocratique du Congo, vu le lourd de tâches que vous assumez, la population du Kasaï central qui vous a élu à plus de 90% attend de vous un développement à partir de la base et surtout l'amélioration de son vécu quotidien. Nous comptons sur votre autorité prioritairement pour la relance des travaux de construction de la centrale hydroélectrique de Katende, dont nous espérons l'inauguration par votre autorité au courant de ces mandats. La relance de la desserte en électricité sur la ville de Kananga à partir de la centrale hybride solaire et thermique de l'Emercac Énergie du Kasaï central, qui avait réussi à fournir le courant 24 heures sur 24 sur toute la ville de Kananga à une certaine période. Appuyer la régie des eaux quant à la desserte en eau potable. L'asphaltage de la route reliant la province de Lunda Nord et d'Angola et la province du Kasaï central par la route Kalamamouche. L'asphaltage de la route national numéro 1, tronçon Chikapa Kananga Mbujimai, pour faciliter les échanges commerciaux. La lutte anti-érosive sur toute la province du Kasaï central. La démobilisation et la réinsertion des ex-miliciens Kamuinan Sapu qui ont et qui continuent à déposer leurs armes. Que monsieur le directeur de cabinet, je cite, monsieur Vital Kamere, trouve en ce jour notre reconnaissance en sa personne pour avoir privilégié l'intérêt supérieur de la nation que l'intérêt individuel. Et puis les ressortissants du Congo central félicitent le président de la République pour sa victoire qui marque le début de la vraie alternance voulue par le peuple congolais et l'invite à travailler avec toutes les couches du pays pour la réussite de son mandat. Ils ont profité de la même occasion pour saluer la nomination de Vital Kamere comme son directeur de cabinet. Nous, membres de l'Union pour la Nation congolaise, INC en sigle, ressortissants de la province du Congo central, présentons à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, nos vives félicitations pour son élection à la magistrature suprême. Par la même occasion, nous les remercions pour la nomination de notre président national, à la personne de l'honorable Vital Kamere, en qualité de directeur de son cabinet, à qui nous adressons également nos chaleureuses et sincères félicitations. Au regard des enjeux actuels, votre élection à la tête de la plus haute institution du pays suscite un grand espoir pour le peuple congolais en général et celui du Congo central en particulier. En effet, la marginalisation dont le peuple Congo a été victime dans la gestion de la chose publique et dans la participation au sein des instances de prise de décision durant près de deux décennies a conduit la province du Congo central à devenir un des bastions radicaux de l'opposition. Votre reconnaissance officielle de la probité morale dans la gestion des affaires de l'État du président de la RDC Joseph Kasavubu en est une preuve. C'est pourquoi votre élection à la magistrature suprême nous rassure d'une participation effective de la province du Congo central au sein des institutions de l'État pour un Congo fort dans sa diversité culturelle. Fait à Kinshasa le 30 janvier 2019.
L'accession de Félix-Antoine Tshisekedi à la magistrature suprême ne laisse pas indifférents les membres de l'Union pour la nation congolaise, Fédération de Mohamba, dans une déclaration faite ce mercredi au siège de la dite fédération. Ses cadres et militants de l'UNC félicitent et réaffirment leur soutien au nouveau chef d'État tout en exprimant leur allégresse à la nomination de Vital Kamerhe en qualité du directeur de cabinet du président de la République. Nous, membres de l'interfédération de l'INC Kinshasa Mohamba, réunis ce mercredi 30 janvier 2019 à notre siège, avons l'honneur de vous présenter nos vives félicitations pour votre victoire à l'élection présidentielle du 30 décembre 2018. Victoire émanant du peuple, par le peuple et pour le peuple. Nous comptons sur le dynamisme que vous insufflerez sans relâche à notre cher beau pays, la République démocratique du Congo, avec patriotisme, dignité et efficacité. Nous profitons également de cette occasion pour vous remercier des choix portés sur l'honorable Vital Kamerhe, président de notre cher parti, l'Union pour la nation congolaise, en qualité de directeur de votre cabinet. Dans cette perspective qui nous honore tous, vous pouvez naturellement compter sur notre soutien permanent. Que vive la République démocratique du Congo, que vive l'Union pour la nation congolaise, Mohamba, pour l'INC Mohamba, Maître Toms Krish Baseke, interfédéral adjoint. Et puis l'ambassadrice universelle de la paix, Nathalie Aziza Mounana, a pris part à un culte d'action de grâce organisé à Kinshasa à l'aumônerie du camp lieutenant-colonel Kokolo. Ce dignitaire d'État évoque une raison fondamentale qui l'a poussé à prendre part à ce culte. C'est le fait que Joseph Kabila ait conduit la RDC dans sa toute première alternance démocratique de son histoire politique sans effusion de sang. La Fondation Calixte Mounana, ministère de veuves, orphelins et handicapés, remercie le Seigneur pour la paix léguée à la nation congolaise par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. C'est l'essence du culte d'action des grâces organisé à l'aumônerie protestante du camp lieutenant-colonel Kokolo à Kinshasa par la présidente visionnaire de la Fondation Calixte Mounana. C'était un dimanche pour célébrer la paix, grand acquis du mandat de Joseph Kabila Kabange. En 2003, Nathalie Aziza Mounana a fait le choix d'accompagner le jeune chef de l'État qui n'avait que 30 ans en s'occupant de l'encadrement des veuves militaires, les orphelins dont les parents sont tombés sous le champ d'honneur, les handicapés blessés de guerre. En tant qu'ambassadrice universelle de la paix, Nathalie Aziza Mounana a, dans son parcours des femmes chrétiennes engagées, amené dans tous les camps militaires à travers le pays la paix sociale par la prise en charge médicale, la scolarisation des enfants, la culture et le sport. À ce culte d'action de grâce, Nathalie Aziza Mounana était accompagnée de la marraine de la jeunesse de la Fondation Calixte Mounana, la princesse Irma Beyer Sembayo et le président du Forum national de la jeunesse, Patrick Katengo Mafo. Au cours de ce culte d'action de grâce, Madame Bernadette Bongo Kila, épouse de l'aumônier en chef des églises protestantes du Congo, a présenté l'ambassadrice universelle de la paix, Nathalie Aziza Mounana, à l'assistance. Maman, vous avez bien allié à Salakana Basouda. Donc, à ce moment-là, la contribution Basouda, dans le domaine, il y a ma veuve, ma orphelin, ma blessée de guerre. Si vous voyez l'élection du Koleka Wata, Batomoni avec une députée provinciale, c'est le moment pour elle de présenter à son tour les personnalités qui l'accompagnent dans sa délégation. Dans son mot des circonstances, elle a rappelé à l'auditoire les plus grands héritages légués à la postérité par Joseph Kabila Kabange. Une sortie honorable et une nation en paix. Mais aujourd'hui, je suis venu pour l'action de grâce pour remercier sincèrement le président Joseph Kabila Kabange qui m'a dit qu'il y a la paix. Et ça, la beauté. Il y a encore l'action de grâce, mais qui m'a beaucoup embêté parce que les gens ont dit, et je veux le dire à ceux-là, ma paix, ceci pour l'ambassadrice universelle de la paix a mérité une action de grâce devant le Seigneur Jésus-Christ par une offrande spéciale. Oh, maman, Ayaki, pour l'espace, moi, tout le monde, parce que dans le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde, Ma petite yo, il a 50.
Ayant tiré sa prédication des livres de 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18 et Colossiens chapitre 3 verset 17, l'officiant du jour a expliqué le bien fondé de cette action de grâce faite pour honorer le bon Dieu. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, et Nathalie Aziza Mounana a prouvé son amour envers les autres en partageant avec les veuves, orphelins et les handicapés blessés de guerre. Une prière a été faite pour l'œuvre accomplie par cette servante pour la nation. Tout à fait autre chose, la campagne de collecte des dons d'ouvrages littéraires en faveur des écoles dépourvues en bibliothèque a débuté ce mercredi 30 janvier sous le thème « Lire pour rire, lire pour apprendre et se cultiver ». Cette campagne initiée par l'Association congolaise des femmes de la presse écrite a pour objectif de sensibiliser les élèves à considérer la lecture comme étant un moyen de détente et d'apprentissage et non de corvée. Suivez la présidente de l'association. La COFEP, c'est l'écriture, c'est les formes de la presse écrite, et nous recevons beaucoup de stagiaires qui ont un sérieux problème au niveau de l'écriture. Alors nous nous sommes dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas aller aux universités, mener une campagne pour l'amélioration de l'écriture. Il faudra commencer d'abord avec la base. La base, c'est-à-dire l'école primaire, l'école secondaire, l'école humanité. C'est ainsi que nous avons lancé cette campagne. Nous avons, pour cette année, on travaille d'abord avec FUNA. On commence avec FUNA. Je pense que comme c'est la première édition, l'année prochaine, nous irons vers Moamba ou Tchamo. D'abord, nous lançons cette invitation aux missions diplomatiques existant ici en RDC, aux écrivains congolais, il y a des gens qui écrivent aussi, il y a des paroliers, il y a de maisons d'édition, des ouvrages. Nous lançons cet appel-là vers eux. S'ils peuvent nous fournir des ouvrages ici, donc ils pourront prendre contact avec la présidente ou la secrétaire de l'association. Notre adresse, c'est ici en ville, c'est connu. Donc, ils peuvent venir nous remettre ces ouvrages ici au siège principal de la COFEP. Et pour terminer, on va prendre le sport. Une frange des supporters de Dari Club Moutema Pembe s'est rendue ce mercredi au bureau d'Hassan Abdallah pour déposer un mémo comprenant les mots qui rongent leur équipe, dont la mauvaise gestion financière et de la grande supporter du Dari Club. Ces derniers exigent au président de coordination du DSMP la révocation dans un bref délai d'Amos Mbayo et de Jérôme Tangou qui, pour eux, passent pour des moutons noirs. Reportage. Ces mots sur ces banderoles disent tout. Pour les Daring Men, ce sont eux les moutons noirs au sein du DSMP Imana. Ce noyau de supporters, ce dernier club Motema Pembe, habillé en gilet vert, accuse Jérôme Tango de la mégestion de l'équipe, que nous devions de toutes nos forces et dont nous sollicitons la démission sans autre forme de procès. Alors qu'à Amos Mbayo, on endosse la division de Tupamaros. Sollicitons en même temps la révocation sans délai de M. Amos Mbayo pour la mégestion de la grande commission des supporters de l'équipe. 1. Manque de l'unité entre les supporters. Manque de l'encadrement et la mobilisation des supporters pendant nos matchs et nos entraînements. Le côté chiffre pose problème. Le Daring dépense sans aller loin. Otis Balongola est déjà entraîné pour un manque insuffisant sur le résultat. Le mois permet une équipe, à Kanami permet une équipe, tantôt directeur sportif, tantôt directeur technique. Il y a moi qui n'a reçu ma Bavarez. La vie taille bien qui n'a reçu ma Bavarez. La liste est exhaustive. Le rôle d'Otis Ngoma paraît flou pour ses supporters du directeur Motema Pembe. Mon réseau bimébélé, 3 millions pour un recrutement. Tout le monde va jouer, il y a 3 millions. Morrison, meilleur recrutement de l'année, 184 000 dollars. Abetika a deux matchs. À l'heure où nous parlons, à Zonginaye. Une grogne qui ne dit pas son nom, le message est alors adressé au titeur du club, au Bamina Kunjala Njoko. Pardon, tout ça va se porter à Motema Pembe, où il faut sauver Imana. Mais où il y a un contribué à la chute à Imana, à la musique équipe. Cet échantillon s'est ensuite rendu au bureau du président de coordination du club Motema Pembe, Hassan Abdallah, pour lui déposer un mémo reprenant tous ses griefs. La colère part de l'élimination du club Motema Pembe de la Coupe de la Confédération à l'étape de 16e de finale et de mauvais résultats enregistrés
à la 24e édition de la Ligue 1, le championnat national. Et puis avant de terminer l'édition, d'abord ces messages de félicitations. À l'occasion de votre accession à la magistrature suprême en qualité du 5e président de la République démocratique du Congo, le collège ainsi que l'ensemble du personnel de l'autorité de régulation de la poste et des télécommunications du Congo vous adresse leurs sincères félicitations. Elle rassure votre excellence qu'elle ne ménagera aucun effort pour faire jouer au secteur de la poste et des télécommunications son rôle dans la reconstruction et le développement de notre pays. Que Dieu bénisse le peuple congolais et son président. C'est signé Oscar Manikunda Moussata, président du collège. Et puis ce communiqué à l'occasion de la commémoration du deuxième anniversaire du décès à Bruxelles le 1er février 2017 du président de l'UDPS et père de la démocratie congolaise, M. Étienne Tshisekedi wa Mulumba, le président national de l'ONG Frabantu, invite les Bakwantombolo, frères biologiques de l'illustre disparu résidant à Kinshasa, à assister jeudi 31 janvier 2019 au culte écuménique à la cathédrale Notre-Dame du Congo à 16h et puis le vendredi 1er février 2019 à la messe d'action de grâce à la cathédrale Notre-Dame du Congo à 16h. C'est signé Ngandu Ololo Mwana, président national. Voilà, cette édition serait ferme. Merci de l'avoir suivi. En voici les principaux titres. La Commission électorale nationale indépendante invite à protéger le matériel recyclable utilisé le long du processus électoral en cours. C'est la demande exprimée ce mercredi par le président de la République, Félix Tshisekedi. Une bande d'escrocs opérant au nom de l'UDPS rançonne des paisibles citoyens au motif d'un prétendu recrutement au sein du parti. La direction de l'UDPS se réserve le droit de poursuivre en justice ses ennemis de la République. Installation des bureaux provisoires dans les provinces de l'Équateur, Kasaï Central et du Lualaba, à Mbandaka, dans la province de l'Équateur. José Ndundo Bonongue, doyen d'âge, dirigera cette assemblée suivie de deux Benjamins. Et puis les supporters du Daring Club Motema Pembe exigent la révocation immédiate d'Amos Mbayo, président de la Grande Commission, mais également du trésorier Jérôme Tingou, qui pour eux passe pour des moutons noirs. Je vous retrouve dans un petit peu moins de 15 minutes pour un nouveau journal.